Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons démarré une retraite spirituelle. Oui, depuis hier. Et qui est joué? Et chaque deux semaines, nous avons une retraite. Merci pour le chef du village de Bré-Boré. Le chef Bré-Boré. Voilà, on a fait le chef. Oui, je crois que la jeunesse de Bogo Bré est représentée, c'est ça? Voilà, vous vous tenez debout. Oui, la jeunesse, voilà, c'est pour que Dieu bénisse. Oui, il y a le président des gens de Bré-Boré, il est là. Oui, on acclame le Seigneur. C'est moi-même à Bré-Boré. Aïe, moi, on a pris pour elle. C'est quel portable, ça? Ah, vous mouez. Je suis là en personne là-bas parce que les deux villages, dit ça. Les sorciers ont programmé des gens, attaché des gens. J'étais à Brave du coup. Je suis allé, j'ai dit, je suis allé pour qu'on abatte là où les gens étaient attachés. On 16 personnes. Pourquoi Bré-Boré, à Brave du coup. Bré-Boré, à Brave du coup. Les sorciers ont fait un carnage. Ils veulent manger. Amen. Donc j'ai demandé au chef de venir. Nous allons ensemble organiser quelque chose. J'ai demandé à la jeunesse de Bré de Gogo Bré d'être là. Amen. Amen. Éviter même ceux de Bré. Oui, parce qu'il faudrait que nous mettons Dieu à la première place. Nos parents ont adoré des fétiches. Nos parents ont adoré des chconneries. Désormais, nous devons mettre Dieu à la première place. Et surtout la jeunesse de Gogo Bré. On vous menace toujours. Mais n'oubliez pas une chose. La Bible dit que si Dieu est avec toi, personne ne pourra te vaincre. Ce que Dieu est en train de faire, ce n'est pas le mal. Ce qui est dans le mal, c'est que Dieu te lâche. Mais quand tu as compris la volonté de Dieu, Dieu ne permettra jamais au diable d'avoir une chance. N'ayez pas peur. Le fait d'inviter des gens pour aller prier pour vous, ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Ils vont vous menacer pour dire vous allez me manger. Ça, c'est parole. Ils ne pourront pas vous manger. Amen. Je prie pour vous. Et vous allez aucun okay, sorcier ne pourra vous manger. Vous pouvez faire si je lui dis tant, moi je rentre à Gogo Bré pour le ressusciter. Amen. Vous êtes la jeunesse, vous êtes la relève de demain. Il y a toujours une relève. Et malheureusement, cette relève va être mangée par les sorciers. Maintenant, je comprends. En réalité, à Gogo Bré, il n'y a pas de bon type là-bas. Celui, ça chante, il n'a qu'à venir me dire ça. Il faut mettre Dieu à la première place. Moi, je ne suis pas un mystique. J'ai un témoignage. Depuis que je suis ici, regardez le témoignage des gens. Maïna, voilà, vous dites. Cette fille, elle était folle. Mais il va la faire. Elle vient d'être guérie. J'ai guéri la maïna. Lève-moi. Elle est guérie. Ouais, Yayon. Comment tu t'appelles? Où tu sais? Hein? Comment? Adélie. C'est tout ton nom, ça? D'accord. 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 Ta maman t'appelle comment? C'est tout son nom, ça? Et ton papa? Hein? Tu es enfant, tu n'as pas enfant. Comment ils s'appellent? Tu as Marie. Tu mets quelqu'un qui te débris. C'est vrai, il y a des merdeurs, il y a des débrouillards. Il y a des débrouillards, il y a des merdeurs, il y a tout ça. Il est où les démerdeurs ou les débrouillards? Débrouillards. Débris. Ah, il dit débris. C'est un contrat, il fait contrat. Débrouillards. Ça va? Tu es guéri? J'avais quoi? Gloire à Dieu. Hein? Parle fort. Ça y est, Rousseau. Elle dit qu'elle avait la folie.
Effectivement, il était dans les chaînes. Ah bon? Oui. Si les chaînes ici. Il dit, hein. Il dit, c'est comme ça, il dit, hein. Il dit, c'est comme ça. C'est comme ça, on guérit ici. Elle est folle. Totalement folle. Bonne arrivée à Péniel. Bonne arrivée. Tu n'as pas habitué à ça. Nous, c'est comme ça. Comment dire la vacille, la faute, demande. Comment dire la vacille? Comment ça s'est passé? Ils vont t'amener derrière là-bas, il y a d'autres là-bas encore. Ah, oui. Non, on a un pont, il y a un pont. Chaque semaine, on les envoie ici. Allez, amenez-le. Oui, ici, c'est comme ça. Bien, bien. Allez-y. Et puis, la batterie prochaine. Amen. Voici le travail que nous faisons ici. Parce que l'homme a droit à sa dignité. L'homme a droit à la vie. Elle est totalement guérie. C'est préparé. C'est préparé. Non, pas bien. Bah, c'est en nous. Hein? Tu sais faire quelle sauce? Hein? Quelle sauce? Comment on fait quelle sauce? Écoutez, là, attendez. On fait comment? On prend aubergine. On prend aubergine, c'est tout. Avec huile rouge. Avec potasse. Et puis quoi encore? Hein? Non, mais supposons que tu es en train de faire. Tu fais quoi? Hein? Tu achètes quoi d'abord quand tu vas marcher? Aubergine. Hein? Hein? Rouge. S'il n'y a pas huile rouge, achète. Tu achètes huile rouge. Hein, pour tasse. Hein? Il n'y a pas tout dedans. C'est tout, ça aubergine seulement. Tomate. Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de viande dedans. Et puis au moins, c'est quoi? Hein? Un foutu. Un foutu. Tu sais pourquoi foutu? Dis moi attends, hein, tu fais quoi faire ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu les as vus? Très bien même. Ah, ah. Voilà, slap. C'est là-bas les guider. Voilà, Jésus l'a guéri. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
était très très violent. Mais moi, je vais un canon. Violent, prenait caillou, la oh, ben, violent. Oh, y a rien quoi. Vous avez ça? Qu'est-ce que tu voyais pas ça? J'ai insulté tout le monde. Oh, y a dit, oh, mais après, j'ai encore loin de deux coups. Tu sais d'où fait ton mal? Il vient à Gouroba. Voilà. Tu peux donner un chant? Il est venu à donne un chant. Non, chante à haute voix. Mais c'est quoi le gamin? Je guéri, tu n'es pas guéri. C'est comme ça que tu vas chanter pour Jésus. Ok, vas-y, de toi la chante. Jésus t'a guéri. Tu crois que tu as guéri? Hein? Acclame Jésus. Un autre chant, quoi? Thank you.
Vous avez connu? La mère est là. Tu vas plus jamais retourner dans ça. Dis amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ici, il est un lieu de miracle. Il est un lieu de délivrance. Amen. Jésus a le pouvoir sur les démons. Jésus a le pouvoir sur la maladie. C'est pour ça qu'il faut croire ton miracle. C'est pour ça qu'il faut croire ta délivrance. Nous avons déjà eu beaucoup de souffrances ici. C'est nouveau pour vous, pour nous sommes habitués à ça. Parce que Jésus est présent. Amosé.